أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله بار البركة مولانا شيخ محمد نازم الحق هادي سلطان أولياء إلى بركة كتب المتصرف شيخ محمد هشام كباني. إن شاء الله nous allons monter la montagne de Hira. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Quand Sayyidina Jibril est apparu à lui, c'est vers cette place que je me dirige actuellement. Et c'est une place bénie. Une place bénie. Alhamdulillah. C'est une chance pour celui qui arrive à monter et à aller méditer, même ne serait-ce que 2 minutes. Et imagine cette place. Maintenant, ils ont fait des escaliers. Et ces escaliers pour faciliter la marche aux gens. Mais au temps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 1500 ou 1600 ans, il n'y avait pas d'escalier. Il n'y a que des pierres. Et des pierres comme ça. Et comment notre prophète bien-aimé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, venait faire la séclusion, passer du temps à méditer. Subhanallah. Subhanallah. Chaque musulman doit venir ici, ou chaque croyant, de toute confession confondue, venir visiter cette place et méditer sur la grandeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallim, et de voir que ce n'est pas pour lui qu'il a reçu cette révélation, mais c'est pour la Oumma, cette Oumma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour la création. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ya Maulana, thank you.